tradition raconte que les Juifs du Yémen sont les descendants de la tribu de Yehuda, qui s'est installée au Yémen après la destruction du premier temple. Les Juifs du Yémen étaient opprimés, ils étaient l'objet de lourdes restrictions et souffraient considérablement. Les artistes juifs réalisaient des travaux de grande qualité, et leurs créations artistiques étaient très appréciées. Mais les taxes qui leur étaient imposées étaient encore plus élevées que celles des musulmans. C'est pourquoi ils n'ont jamais véritablement réussi. Leur rêve a toujours été de retourner en Israël. Et les Juifs yéménites n'ont jamais cessé d'essayer de l'exaucer. La première vague d'immigration en Israël a commencé en 1881. Près de 35 000 personnes originaires du Yémen s'y sont installées jusqu'à la création de l'État d'Israël. Le nouveau gouvernement israélien a lancé l'opération Tapis Volant, plus connue sous le nom « Sur les ailes de l'aigle », afin de promouvoir l'immigration de près de 50 000 juifs. C'est dans le cadre de cette opération que les parents et les proches de Ben Tzion sont arrivés en Israël. Ils ont traversé le Yémen pendant 2 ans et ont subi de nombreuses épreuves avant d'arriver à Aden. C'est là-bas qu'ils sont montés à bord d'un avion qui les a emmenés en Israël. Malgré les restrictions de bagages, et alors qu'il leur était permis de ne prendre qu'un nombre restreint d'objets, le père de Ben Tzion est parvenu à apporter avec lui ses précieux outils afin de poursuivre son activité et de subvenir aux besoins de sa famille en Israël. Ces outils, très simples, qu'ils fabriquaient eux-mêmes, leur permettaient de créer des bijoux filigranés d'une extrême finesse. Au Yémen, le client remettait à l'orfèvre 5 pièces d'argent, 2 pour son paiement et 3 pour la fabrication du bijou. L'orfèvre consacrait les 2/3 de son temps à la préparation des fils d'argent. L'orfèvrerie yéménite repose sur 5 types de fils qui portent chacun un nom distinct. Dès l'âge de 10 ans, Ben Tzion aidait son père dans son atelier de Kiryat Ekron en préparant et en assemblant les fils d'argent, contribuant ainsi à la transmission des secrets de cet art de génération en génération. Ben Tzion a suivi des études supérieures et est devenu ingénieur, mais l'appel de la tradition, autant que les demandes incessantes des clients de ses créations, l'ont amené à se consacrer entièrement à l'art du filigrane. Ben Tzion David, qui appartient à la 8e génération d'une famille d'orfèvres yéménites, est l'un des rares artisans à faire ce travail en Israël, et son art est en perdition. C'est pour cette raison que Ben Tzion a créé ce musée, lieu privilégié où sont exposés des artisans uniques, ainsi que la culture et l'histoire du peuple yéménite. Parmi les objets exposés se trouvent des outils utilisés par les orfèvres yéménites, une meule familiale ancienne, des paniers tressés, des photos d'une mariée yéménite, un four à pita et un cheder yéménite.